sais que tu fais. Alors, rapélite. On est là, en Thaïlande, tout ça. Eh, la Thaïlande, hein. Ah ouais, petit cadre plutôt pas mal. Tranquille, hein. Fais-nous les présentations. Issa. Ok. Ma sécurité depuis 2 ans maintenant. Kikou. L'homme à la teinture, c'est ça? Ton binôme toujours avec toi? Alors, rappelle-lui. C'est ça. Je crois que t'as un showcase dans une dizaine de jours, c'est ça? C'est ça. En plus, je dois tourner un clip aussi avec le frérot AM, mais c'était pour ça. En même temps, voilà, il y avait des trucs à faire. Ouais, il y a beaucoup de Français aussi, tu as vu? Ouais, donc tu sens le soutien des gens jusqu'ici, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, franchement, ouais. C'est cool. Et en même temps, là, moi, je prépare mon projet. Entre nous, un peu, Phuket, c'est comment? C'est une vue, c'est pas mal, tu vois. Il me semble que la plage, elle t'appartient en plus. Ouais, ouais. Moi, t'as investi ici, moi, en fait. Ouais, moi, j'ai investi dans l'île là-bas. C'est vrai que ton dernier album, il a bien marché. Il s'est écoulé à plus de 150 000 exemplaires, il me semble. Mais c'est pas forcément un album que t'as défendu sur le long terme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Au niveau de la promo, ouais, je l'ai pas défendu au max. J'ai fait 3 clips. 3 clips avant la sortie. Dont un clip solo, le clip avec Soul King et le clip avec Alonso. Entre temps, j'ai eu beaucoup de choses à faire. J'ai pris une pause. J'ai sorti 3 albums en 1 an. Tu as vu? J'ai monté mon label. Après, il y a la famille, il y a les trucs simples, frérot, tu as vu? Simple. En fait, les choses de la vie, en fait, c'est ça? Les choses de la vie, tout simplement, tu as vu? Après, je travaillais aussi à côté, tu vois, pour le projet. C'était moins intense, tu as vu? J'ai pris un peu plus de recul. Enregistrement, promo, showcase. Au bout d'un moment, il fallait que, tu vois, je te dis, je mette un stop. Et c'est quoi le nom de ton label? Galactic. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis signé, en fait, à Galactic et 13ème Art, ça veut dire c'est en coprod. Ouais, en fait, tu fais une coprod avec 13ème Art, l'équipe avec laquelle t'as sorti Pochon Bleu, etc. Tout simplement, okay. Ça coule de source. Ça continue à bosser ensemble naturellement. Voilà, voilà, exactement. D'accord. Est-ce que tu te sens attendu pour le prochain album? Est-ce que tu sens Ouais, franchement, je me sens attendu quand je marche, tu as vu, quand je rencontre des gens, tout le monde me demande sur les réseaux sociaux, tous, parce qu'ils avaient vraiment pris l'habitude que je sorte régulièrement des albums, tu vois. En moins d'un an, comme je t'ai dit, en 10 mois, j'ai sorti 3 projets. Après, ils n'entendent plus parler de moi pendant un an. Tu vois. Logiquement, ils se disent, c'est pas normal. Ça, c'est bientôt l'été. Ils savent que moi, tu vois, ils sont d'été. C'est vrai que tu vois, je ne fais pas exprès pour les faire pour l'été. Tu vois, je te le dis, mais nous, on est des Marseillais. Ça fait que c'est vrai que dans nos sons, il y a de la chaleur, etc. Ouais. Et du coup, ouais, je me sens entendu. En même temps, c'est une pression. Ça veut dire que j'ai pas envie de décevoir mon public. Tu vois. Un pays dans la maison. On est bien, hein. Ça prend des risques, on est bien. Au Mounilio. Alors, on est Simbad. La vie, c'est risque. La vie, c'est risque. Bah, ici, même les darons, ils ont un scooter. C'est pas facile à être artiste. C'est pas facile à être artiste. Voilà des mots. Moi, je suis ton prêtre, là. Je vais te mettre un bon cœur. Allez, allez. Allez, allez. Mais je m'en vais, là. Tu as laissé ta mouille sur les Yamaha. Il est là, le Yamaha. Il est là. Ah ouais, mon mode réel de clip. Toujours. Si tu regardes le mode détail, l'image. Ouais, quand même cool, tranquille. Ça va quoi? Tranquille, hein? C'est long déjà pour un morceau rouge avec le frérot. Ouais. Il m'a dit, je vais vous donner rappeler, je vais vous donner. Tu rassures, de toute façon, quoi qu'il arrive, on allait faire un truc ensemble. La connexion, c'est fait comment entre vous? La connexion, simplement, on est de Marseille. Après, c'est tout à fait normal, on a déjà un problème. Moi, je kiffe ce qu'il fait, lui, il aime bien ce que je fais. Ça se fait tout naturellement. C'est vrai que quand on entend vos deux musiques, on sent qu'elles ont des univers assez proches en fait. Ouais, il y a des univers assez proches. Mais assez proches, puis. Putain, chacun sa particularité. Dans les mélodies. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ce qui va être intéressant. C'est complémentaire en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est complémentaire. Ouais, moi je trouve qu'on. On se complétait bien. C'est bien. Ouais. Et là, c'est toi qui a un peu choisi les lieux, le lieu de tournage ici aujourd'hui. C'est quoi que tu cherchais un peu? Moi, ce que je recherchais, c'était l'ambiance méditerranéenne de base. Ouais. Mais ici, c'est très difficile à trouver. Voilà. Et il parle plus, il a plus les mots. Il a plus les mots. Triplé but. 3-1 Manchester, ouais. Oh là là. 3-1. La valise. Ah, c'est le Malico, même. C'est vous. Ça, c'est vous, ça. Ça, c'est vous, ça. Voilà, je l'ai senti. Ça, c'est vous, ça. Ça, c'est moi. Et ça, ah, oui, voilà, Sophia 2. Des frères, mais voilà, le foot, c'est le foot. C'est la
Il a tenu les 2000, cet enfant. Et celui, il a rattrapé. Viens, tu nous as cartonné, viens là. Wesh, frère, il a éclaté le van, voilà. Il a niqué le van. Mais t'as pas vu le frein à main, comment il est. C'est une chaise. Mais toi, ce que t'as pas vu, c'est comment elle a couru derrière moi. Mais voilà, tu sais que là, on fait quoi? On le prend, on fait le tour du rond, on regarde là. Ferme la porte, ferme la porte. Allez, thank you, my bro. Tomorrow. On est déjà ici. Thank you. Viens, ferme la porte. Allez, va créer, t'es mort. Salam alaikum. Vas-y, match. Oh, il s'est même pas passé une test vie. Oh, baby drive, rien du tout. Hein. Baby drive, pas ou non. Demain. Arrête-toi, Fred. Demain. Arrête-toi, Fred. Me casse la tête. Tout ça, c'est à cause de you, ça. Que du branchage. Allez. Arrête, ça commence pas. Ah ouais, ça, c'est pour les paris. Ah, voilà, il est là. Je crois que j'ai passé une mauvaise journée. Pas quoi vous dire, tu as vu, pour vous consoler, pour vous dire que... Ah, mais ça y est, ça y est, je m'en convaincu. C'est l'heure, c'est tombé. À moi, ce qui ramène Messi... Ronaldo, Star Trek, Superman, après là. Bon, j'ai très bien dormi, je suis très bien réveillé. Aussi, je fais ma sieste comme d'habitude. J'espère que c'est fiable, hein. J'ai pas envie de couler. Ouais, je croyais qu'on allait te ramener le jet privé ou quoi. On va faire dans ça là. Quand ça te bégaye, quand ça te tremble. Ouais, Kalim. Toi, tu t'attendais trop à un gros truc. Moi, j'ai dit la barque. Il a dit la barque. Il s'est réveillé ce matin par un bateau. Il est là, le bateau. Il est là, le bateau. Il est beau, le kiff. Il est beau, le kiff. Cool, tranquille, calme. Et c'est quand même ouais, fort. C'est quoi depuis hier? Studio, clip. Non, ça travaille hier, ouais, on travaille. Hein. C'est vu en plus hier. Jusqu'à tard. Je t'ai vu hier. J'étais ouais. Sur une mécane et je crois que je t'ai vu hier avec des meufs, tout ça. Non, jamais. Je crois que tu t'es trompé. Mais jure maintenant. Bah, tu marchais pas. Non, je marchais pas. T'étais comme ça. Non, j'étais comme ça. T'étais avec des meufs. Non, jamais. J'étais en scooter. Moi? Non. Tu te trompes. Je t'ai vu comme ça en train de faire des bisous. Moi, non, moi je pense que c'est d'autres mecs de Paname. Je pense que c'est d'autres mecs de Paname. Écoute, tu te régales. T'en connais pas en bas d'un bloc en train de refourguer des barrettes. Tu peux nous dire un peu quelle est ta relation avec Naps? Pour le coup, lui, Nabil, ça fait depuis 2011, 2012, parce qu'on traînait ensemble, on traînait ensemble pendant je crois une petite année carrément, tu vois. Et donc avant tout, c'est un ami. Après, bon, je suis remonté à Paris, j'étais en Espagne, tout, nos chemins se sont un peu séparés. Tu vois, on avait des nouvelles un peu, mais tu vois, lointaines. Et là, j'étais en prison en 2016, ça a fait un putain de boom, je suis sorti, j'ai vu Naps partout, j'étais content, tu vois, j'étais grave content pour lui, tu vois. Et puis j'aime bien leur couleur, tu vois, j'aime bien leur couleur artistique, elle est bien. Puis t'as vu, on a tous à peu près le même délire. Nous, on est des mecs qui ne se rendent pas la tête, on est simple, on peut avoir 4 poteaux, moi j'ai 4 poteaux, on va tous bien s'entendre. Ouais, les équipes s'entendent bien même entre elles, il y a certaines affinités, il y a certains points communs. Donc ça veut dire qu'en fait, un artiste comme Naps, tu l'as connu même avant même qu'il pète en fait. Bien sûr. Avant même qu'il pète, à l'époque où même temps, entre guillemets, commercialement, ça n'avait pas forcément explosé. Exactement. Donc vous étiez des artistes qui vous développiez, entre guillemets. J'avais même pas sorti Fait entrer la crème. Ah ouais, c'est à l'époque. Non, mais j'avais pas sorti. Ouais, c'est vraiment à l'époque. Mais je lui avais dit à Naps déjà, à l'époque, je lui avais dit tu vas réussir. Tu sentais quelque chose? Je le savais. Par rapport à quoi? La détermination? Je sais pas, il avait un truc, il avait une couleur, il avait un truc à lui. Après aussi, ils étaient un groupe. Moi, je trouve que lui, c'est lui qui se démarquait, tu vois. C'est lui qui se démarquait. Je l'avais dit déjà. Et maintenant, t'es un peu plus dans la prise de recul, le conseil, etc., etc. Ouais, mais même, je te la vérité, je me fais petit, je suis là, on kiffe bien tous ensemble. Tu vois, ils sont en train de faire un clip. Tu vois, c'est eux, c'est leur jour, peut-être c'est leur journée, tu vois. Et après, ouais, moi je suis là derrière, s'il y a un petit truc, je suis là. Ouais, c'est carré quand même. Mais même comme les pattes, hein. Tu sais, des fois, t'as des gens qui t'entourent tous les jours, bah, ils sont plus pertinents au conseil qu'un mec qui va te regarder derrière un écran et qui aura certes des critiques, mais tu vois, le pote, il est avec toi tous les jours, t'as vu. Donc il connaît tes faiblesses, il connaît tes failles, il connaît, t'as vu, ça c'est pas bon, et il a pas honte de dire, tu vois aussi. Cette journée d'immersion avec Rapelit, t'en as pensé quoi cette journée? On est bien, non? Franchement. T'es bien? Bonne journée.
Mais cool. Vous, vous êtes bien. Bah nous on est bien nous. C'est on vous reçoit les gars. Ah. C'est pas vous qui nous recevez. Ah, Philippe, vous vous trompez depuis tout à l'heure. Je pose la question si je suis bien. Nous on est bien, mais est-ce que toi t'es bien? Est-ce que toi la journée était mieux? Très bonne journée. Hop, alors, cette journée. Cool. Franchement, on vient de finir. Ouais. Et où alors cette journée avec Naps là, tout ça sur le bateau à M? Franchement, voilà, c'était lourd, l'Algérie c'est toujours lourd. Voilà, on respecte les frères, voilà, c'est arabe, voilà, one to three, vive l'Algérie, les hommes. Eh, hey, you, il est encore en forme, y'a que lui qui est encore en forme de ouf. On est sur le bateau, il est encore en forme. C'est la piste de Lyon, gros. Ouais, mais lui, il donne l'énergie, il donne l'énergie. Ah, j'ai capté. On voit la piste de Lyon, gros. Je suis vénère. United, on vous dit. Mais vous le savez, Niki. Eh, you, ils ont piégé le van, ils ont piégé le van. Capté ou pas, ça y est, man, you. Ah, ouais. Bon, après, je suis pas apparu, c'est une rumeur. À ce que paraît, Naps et AM, ils ont loué le bus. Ah ouais, les Marseillais. Après, moi, bah oui. Moi, je crois plus aux rumeurs. C'est quoi ça, mais c'est quoi ça, et à ce qu'il paraît, ouais, et à ce qu'il paraît, hein, Mohamed Elie, il est dans l'histoire aussi. Ah, moi, je dis ça, je dis rien. Regarde, oh. Il a allumé en rouge, Manchester. Arrêtez, oh. Il est sanglant, Manchester. Du coup, il est content. Il a dit une belle phrase. Il est sanglant. Les hommes, Paris Saint-Germain. Ouais, c'est moi, déjà. Mais c'est quoi qui est chiant, mais tu sais quoi, c'est quand t'es marié. Pas de ceinture, pas de truc, pas de... Il n'y a pas de fumée. Dans 3 minutes, il va dire on fume pas, parce qu'on n'a pas demandé. Tiens, parce que j'ai appris une chose, c'est quoi dans la vie, faut jamais demander ce qu'on peut fumer. On peut pas toujours fumer, et après on dit on fume pas. Karim, et tu t'excuses. Fais comme si tu t'attendais pas. Non, ça m'occupe. Non, me, never smoking. Me, always, you got a gash. Smoking? No. The police? No. Oh, sorry. Police? Sent you? No. Sent you? Sent you? Hey, you're a galère. Il faut dire qu'il comprend pas. Snap? No, smoking. No. Smoking? No. No, it's not hashish. No, yeah. On a cigarette? Ah, don't smoke a cigarette? Ah, mon tough. Okay, my friend. Sorry. Open the window. No. Oh, il a le démon. Il a le démon. Sorry, bro. Il faut toujours essayer. Bon, la fumée. Bah, l'aller dans l'avion, mon ouf. J'ai fait quoi? Tu pars t'en fumer dans les toilettes. Mon long, pio. Oh la vache. Mais c'est qui m'a cramé? Où t'as rien dans l'avion? T'es en vitesse, l'hôtesse. New. En business. Les hôtesses, je suis en business, je finis en business. Je suis dans ce pays, gros. Et souvenez, ils nous ont reconnus. Ah, ça va, ouais, ça va. Et moi, je faisais quoi? Que ça m'a, ouais, je veux voir mon pote. Sur le coin, j'allais tout loin dans les cours là-bas, là. J'allais dans leur étoile, là. Loin là-bas. Tu connais, tu te mets tout en bas. Tu fumes comme ça. Mais tu fumes pas toute la clope, sinon c'est grillé. Trois taf. Tu souffles bien dans la cuve de Hachek, c'est affreux. Tu te sens rabaissé. Hein. Tu sens vraiment que t'es une merde. Tu fumes. Tu jettes, tu tires la chasse. Tu manges un gomme chou, parce qu'une fois je me suis fait. Wallah l'adim, une fois je me suis fait miner comme ça. Un bête de hamar, je fume comme ça. Da. Je sors une hôtesse, ça passe. J'ai eu bitch, il faut. Before I go, wallah l'adim, elle a fait comme elle m'a dit you passport. Ouais. Jamais je l'ai vécu. Le corps, elle est venue, elle a noté mon numéro de siège. Ils m'ont répondu. You passport? Non. Ça s'est déclenché? Non. Je passport. Wallah, c'est pas vrai. Je dirais sa santé parce que mes affaires, tout ça. Et là, tout à l'heure, je l'ai fait la même, mais j'ai pas fait l'erreur. Tu crois que je suis une gomme direct quoi? J'ai 2-3, tac. Mais scred, hein. Mais vraiment, par contre, je vous donne la technique, hein, parce que ça filme, bon enculé. Sur le corps, on peut pas vous faire virer des avions. Eh hey, gros, les couilles mieux que l'argent, les gars. La tête dans la cuvette, gros. Ça, on fume pas, nous, dans la merde. Voilà. Et j'ai fumé, je suis sorti, c'était jaloux. Ouais, mais là, fallait pas fumer. Voilà, il voulait. Ouais, dis que tu voulais fumer. Faut que les radars et les rizzards, y'a tout baissé, coupe comme une tarte. Ah, voilà, je vois que les taux se. T'es dedans. Pour de vrai. Il faut la petite demi-heure de coincé. Oh, le bon, oui. Tu vois, on essaie. Tu vois, les artistes agressifs. Hey, les 4h37 du matin, hein, il met des gauches, il met des droites. Non, on prend jet. Comme ça. Dans le vent. Voilà. Lui, il fait bitour du pied. Il met des droites. Ça y est, il part au pied. Demain, je vais faire tourner. Non, mais imagine, il savait pas nager. Il savait pas nager.
Comment tu fais? M'en bats les couilles. T'as compris, Kersh? Ah ouais. Voilà, Kersh, il a déjà mon place. Voilà. Ah ouais. Ça me bat les couilles. Ça me bat les couilles. Ah, t'aurais fait couler un business, toi. Toi, tu la pilite coule à l'eau. Oh, tu vois, le il s'est énervé. Ah ouais. Il s'est énervé. Ouais. C'est quoi? Ramène-moi maintenant! Au bateau maintenant! Du coup, je rigole pas! Elle avait plus de bras, c'est de l'eau! Elle c'est, de l'eau. De c'est de l'eau! C'est de l'eau! Tu peux rentrer dans l'eau! On met deux, trois coups de couteau! Et punis-toi! Une esprit en plus! Ma tête là, tu changes de vie! Sache comme une fois le fait la fille! Je vais en faire un! Je vais en faire deux! Je vais en faire trois! Je vais fumer! Famille, voilà, tout est bon. Dis que c'est dans la maison, mon gars. Ça dit quoi, Rappelite? Hey, jusqu'au bout du monde, hein. Hey, jusqu'au bout du monde. Et où est-ce que t'en es dans la conception de l'album en termes de pourcentage? En termes de pourcentage, ça dépend où je veux aller, où je veux l'amener. En termes d'enregistrement, je dirais que je suis à. Allez, on va dire 50%. Et après, une fois que l'enregistrement il est fini, après, ça coule. Ça coule, c'est rapide, tu vois, moi, au niveau enregistrement, au niveau écriture, en plus je travaille beaucoup avec Alif, ça va très vite. Déjà là, on a à peu près une vingtaine de morceaux qui sont déjà pris, tu vois. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on a pu constater que Alif, depuis un certain moment, c'est vraiment ton binôme musical. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous travaillez ensemble en studio? En studio, ça dépend, c'est-à-dire que soit lui, il ramène une instru ou il a déjà commencé un petit délire dessus, tu vois, je te dis. Soit le contraire, ou sinon on met une instru et voilà, on écrit, tu vois, je te dis. Ouais, vous travaillez à deux. Ça va très très vite, tu vois. Ça va très très vite, deux cerveaux. En plus, déjà, lui, au niveau d'écriture, etc., il m'aide beaucoup, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai été aussi productif, tu vois. C'est grâce aussi à Kalif, tu vois. Ouais, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est ça. Depuis qu'on te suit depuis le premier jour en Thaïlande, t'as vu de nombreux artistes, t'as pu voir AM, t'as vu aussi Lacrim, t'as vu Cell Gecko, t'as croisé Rof aussi. Mais est-ce que pour toi c'est important de te rendre en Thaïlande et de faire des rencontres entre artistes, mais hors du cadre parisien ou marseillais, hors du cadre de la France? Est-ce que c'est une autre ambiance ici? Ouais, logiquement c'est différent parce qu'on est dans un autre cadre. Tu vois, en plus c'est rare qu'on se croise tous en même temps comme ça, tu vois. C'est des personnes que j'apprécie, tu vois, pour la plupart. Bon, c'est Gecko, je l'ai connu là. Je l'ai vu pour la première fois cette année, mais l'année dernière, déjà, on se parlait, donc on devait se capter. Après, voilà, Lacrim, c'est quelqu'un que je connais, ça fait bientôt 10 ans, tu vois, je te jure. C'est ce qu'il nous disait, d'ailleurs. Donc, du coup, ça nous a fait plaisir, parce qu'on s'est connus dans la galère, se voir dans d'autres cadres que le quartier, le truc et tout, c'est une fierté. Même de loin, on était fiers de nous, tu vois, je te jure. AM, c'est le petit frérot, tu vois. Je l'ai connu par rapport à Lacrim, mais franchement, le feeling, il est tarpin bien passé. C'est un mec simple. Je kiffe. Rof, je l'ai rencontré l'année dernière en Thaïlande, tu vois. Donc, je devais être surnaturel. Ouais, il m'a invité sur le projet, etc. Donc, il y a un son qui a été fait, c'est ça? Il y a un son qui a été fait. Inch'Allah, normalement, vous allez entendre parler, tu vois. Ouais. Logiquement. Et après, il y a qui aussi? T'as croisé aussi RK? RK, je le connaissais pas. Ouais. Petit que je kiffe, il fait du bon son, tu vois. Et il est super simple, cool, tu vois. Et GLK aussi? GLK, c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie beaucoup. C'est de l'équipe Afianzo, tu vois, je l'ai connu par rapport à Afianzo. Par exemple, quand Nob s'est venu avant-hier, donc hier, non, c'était mieux, avant-hier, dans les snaps, les gens ont vu que t'étais là. Et ben hier soir ils sont venus, ils étaient full parce qu'ils se sont dit on va tomber sur Naps.
Okay. Donc ils se disent, ah ouais, là c'est le seul endroit où on pourra le voir. Il est dans le coin, donc il est dans le coin. Mais pour toi, Nap, c'est important de passer au bar de 7 Gecko quand tu viens en Thaïlande, en Chopaise. Bah ouais, bah en fait, l'année dernière, moi, comme je t'ai dit, je suis passé devant, je suis rentré, il était pas là. Mais je le connaissais pas, j'avais pas pu le prévenir, etc. Bah cette démarche, elle est. C'est vraiment, elle m'a fait plaisir. C'est pour ça que naturellement je suis venu. Avant-hier, je suis venu, il savait même pas, il était dans le fond. Il était dans le fond, je suis parti, par contre, s'installer. Et ouais, logique. Hein. Un dernier mot à ajouter, les gars, et il sera encore là l'année prochaine en Thaïlande, c'est sûr. Le rendez-vous est pris en tout cas. Donc ouais. Voilà. Non, pas de chargeur, c'est la guerre, ma gueule. Ah là là là, les voleurs des chargeurs ici, c'est trop. Quoi, parce que je m'avais à l'arabe, tu dis voleur. Il a de quelle couleur tu étais, toi? J'ai oublié, je peux pas mal parler de mal de lui, c'est lui qui me prend. Quand tu montes derrière Kikou, il fait comment, le scoop? Kikou, là, tu crains, ça. Alors, rappelez, tu t'es déjà habitué à la petite vue, tout ça? Je vais finir ma vie vers là, tu vois. Pas forcément dans cette zone, mais au bord de la mer. Et en famille, en plus. En famille, Mounir important. En famille. Le cousin, toujours là. Je serai Pélite. Toujours là, hein. Ouais, je vois ça. Survie de PSG. Eh ouais, dis-le. Ouais, d'accord. Au boulot. Vas-y. On y va. La route du chétan, frère. Oh, c'est chaud. Hey, ça vaut quoi, Dix? Calme, tranquille. Calme, quoi, c'est du corps. On est là, vraiment. Exactement. Cœur, j'ai aimé. On est là, tranquille. Hein. T'es venu soutenir les refaits un peu pour le jamais, la pêche dans la maison, mon gars. Ouais. Direct de Phuket, tu connais. Ouais, voilà. Logique. On vient, on donne la ce fort. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Je crois que tu sors les soirs, Pablo. Aujourd'hui il fait pas bon, j'ai mis les lunettes et je suis parti au studio. Rentrer, je vais à Marbella. Changer les idées, on n'a pas de là. Même vu, on va aller au bois de là. Même avec une main avec le petit but là. Je suis bloqué, ça va finir dans l'eau.